C'est comme ça. Si tu vois devant la nourriture, tu n'as pas envie de manger, c'est que tu es malade. Maintenant, nous, nous savons que le Seigneur nous a appelés à sa table. Quand il nous appelle à sa table, il nous a honorés. Parce que ce n'est pas de la blague de manger à la table du roi. Que je parle comme l'homme de Dieu m'a dit. Comme si tu étais dans la scène. Le roi dit, nous allons manger ensemble sur la même table. Nous savons que sur la table du roi, tout est bien contrôlé. Tout est bien préparé, bien contrôlé. Ce qui a ma conscience, qui les a bien contrôlés. Si pour les hommes, les rois de ce monde, cela est contrôlé, boni mesa na kolo. À combien plus forte raison la table du Seigneur. Parce que ma cuisinier wana basala kabere. Parce que les cuisiniers des rois, et ils font des erreurs. Mais oh ya nzambe erreur les alakate. Mais le cuisinier de Dieu lui ne fait pas d'erreur. Vous comprenez là où on a ce. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire ceci. Dans la parole de Dieu, il n'y a point d'erreur. Attends un motif impur. Même pas un motif impur. De penser. Quand tu sais quand on va parler comme ça. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Je voudrais entrer directement. C'est comme ça que nous sommes dans les messages. Il y a beaucoup de gens qui disent ceci. J'ai déjà entendu cela. Comme il a prêché là, il m'a prêché. Mais là, tu veux qu'on te prêche pas? Comment tu vas être sauvé si on te prêche pas? Si on te prêche, c'est alors que tu es sauvé. Bien-aimé. Bien-aimé. La parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchant. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire quand tu frappes comme ça, quand tu le relèves, ça va aussi couper de l'autre côté. Je voudrais toucher ces gens ici. Les prédicateurs. Ils ont l'impression que quand ils prêchent, c'est pas pour le peuple. Ils oublient que quand ils prêchent, les prêts reviennent sur l'autre côté. C'est ce qu'ils oublient. Ils pensent qu'ils ne sont plus enfants de Dieu. Avant de devenir prédicateur, tu es d'abord enfant de Dieu. Si tu viens ici, tu es prédicateur. Mais quand tu es là, est-ce que Dieu puisse te parler? Dieu doit aussi te prêcher. Je vais te dire, bien-aimé. Quand l'épée est levée, élevée pour tout le monde. Amen. Tu vois, parce que moi je suis prédicateur. Vous savez beaucoup de prédicateurs. Observez-les. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a amené à toucher cela. Ils ne donnent pas l'offrande. Regardez-les. Ils ne sont plus enfants de Dieu. Ils sont devenus Dieu. Mais non, j'ai béni c'est parce qu'on a des bons prédicateurs. Nous avons des prédicateurs qui donnent l'offrande et qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que nous chantons. Et puis, d'autres disent, je viens pour prier. Josué dit ceci. Moi et ma maison. Amen. Quand on dit moi et ma maison, cela veut dire quoi? Je ne vais pas toucher cela. Je vais parler de moi. Si tu as besoin d'une voiture, frère, j'ai besoin de faire des courses avec la voiture. Amen. Je te donnerai la clé de la voiture. C'est ça, mais viens d'abord me déposer au travail. Amen. Vous voyez, hein? C'est comme ça entre enfants de Dieu. Amen. C'est comme ça dans les enfants de Dieu. Non, comprendre. Je ne comprends pas. Les fidèles d'aujourd'hui.
Il y a des frères qui manquent. Mais vous ne les aidez pas. Cela veut dire quoi? Si tu n'as pas, viens, parle aussi. Viens et parle. Moi, je n'ai rien au même pas. Parle. À ta Bible, lobi. Même la Bible dit. Amen. Les mal vous sera donné. Mais ça m'a dit que ça n'a pas problème. Mais Dieu sait que pour ça n'a pas problème. Pourquoi il te dit de demander? Amen. Ne parle pas à côté. C'est une exhortation. Pour que quand tu as un problème. J'aime toujours donner l'exemple de Maman Galou. Pour maman, parce que j'aime cette maman. Ah. Je l'appelle grand-mère. Oui. Il est venu nous prendre. Viens alors faire les chants. Bon, maman, c'est un petit truc au cas. Maman a dit qu'on aille faire des chants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont où ça les athées? On n'a pas de travail. Tout au cas. Allons faire des chants. Donc, Kenda, on a tout au cas. On a fait des chants. Amen. C'est pas mon désir. C'est comme ça. Ceci comme maman fait. Si maintenant, maman, dit que personne. Non, parle d'abord. Amen. Osangini. Qu'est-ce que tu dis, il te manque? Osangini, pas qu'on fout ta téléphone. Tu n'as pas besoin de payer le téléphone. Mais il y a qu'un autre au pays. Mais Dieu parle, on va te donner. Bible, du temps de la fête. Quand l'église avait commencé, les gens apportaient leurs biens et les mettaient à l'église. Pour que nous tous nous soyons ensemble. Yes. C'est ça l'amour. Mais aujourd'hui, depuis que nous avons des comptes bancaires, tout le monde a son compte. Fais attention. Mais si tu me bon, cet argent, Canada va lire. La banque va récupérer calmement. Ceux qui ont entendu que tu es mort. Quelle est la problème? C'est ton médecin qui a fait. Il vient de mourir, il vient de mourir. Oh, il faut que tout le monde en bas. Alors fais sortir l'argent. Ils ont fermé les comptes. Pour la banine. Pour dire ceci. Confiance, la confiance de la Katia Bissobana. C'est entre les enfants de Dieu. Amen. Amen. Bate, il peut m'opé sa camaponce. Que les prédicateurs apprennent à donner d'offrandes. Ce qui peut basoter à bater à caper au moté. Si on te prêche, on prêche, on prêche sur le prédicateur. De bon monde, le banzambé. C'est ça la parole de Dieu. Ton côté dans ma campagne Bissou. Entrons dans notre sujet. Bien aimé. Bit Balinga. Oui, Poso et Leki. Vous savez, la semaine passée. Je ne sais pas. Nazaraki moi l'icolo. J'étais un peu haut. Batumi qui basera y kosi bangate basolo ba. De quoi solo banim? Mais qu'est-ce que les frères voulaient dire? Nazo kiti sango na kimia. Je veux faire descendre cela. Mais oebi na lianga ne le basanto. Quand les saints se réunissent. So yosa na mutuna. Si tu as une question. Tuna. Pose la question. So yo moté ya te lo kumo comprendre. Si le prédicateur tu n'as pas compris. Mais on peut ça comme ma dit. Mais tu donnes ton offrande, non? On peut ça comme ma pour au lit à bien. Tu donnes ton offrande pour bien marcher. Parce que moi, aucun restaurant, peut si bon, on a mis le comme ma bien. Tu as déjà vu dans un restaurant, tu payes, on a donné une mauvaise nourriture, tu ne seras pas content. Soyez Théo, ma belle, faut le bâton. Quand on t'a pas bien prêché, tu dis ça, je n'ai pas bien compris. Quand tu dis ça, tu n'as pas tout le monde. C'est comme ça entre les saints. Nous n'avons pas honte. Nous n'avons pas peur. Tu vois, ce qu'il a dit, c'est devant l'Éternel. Le monde en parle. La parole soit élevée. Amen. C'est comme ça. Amen. Je disais ceci. Nous parlions de deux femmes. Basi Andumba. Deux femmes prostituées. Mokwa Boti. L'une des femmes a accouché. Si mami kolobi sato. Après trois jours. Monsou soupa eko boti. D'autres aussi a accouché. Et comme il a boutou. La nuit. Mokwa lale limwana. L'une dormira sur son enfant. Tamwana lale limwana. Après s'être couché sur son enfant. Mwana akoufi. L'enfant est mort. Tamwana akoufi. Quand l'enfant est mort. Asitouki. Elle a sursauté. Attends la vie. Elle regarda. Elle dit, mon enfant est mort. Il s'est résolu par elle-même.
Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas rester avec Je ne peux pas rester avec Tu ne peux pas rester avec un cadavre. Tu vois quelqu'un habiter avec un cadavre. Il faut faire attention avec cet homme. Parce que nous, on ne reste pas avec le cadavre. Nous restons avec celui qui est en vie. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a une très bonne idée. Moi j'appelle ça une très bonne idée. Je ne t'ai pas envoyé d'aller voler l'enfant d'autrui. Ici nous expliquons des choses de Dieu. Il dit c'est l'autre enfant là est vivant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'enfant qui vit. Je lui donnerai l'enfant qui est mort. Parce que lui, elle dort. Comme elle dort. On va lui donner la mort. Elle prie l'enfant qui vivait. Amen. Elle prie entre ses mains. Apaissier ou Yakouf. Prends l'enfant mourant, meurt, qui est mort, donne à l'autre côté. Après lui avoir donné. Elle est restée avec l'enfant vivant toute la nuit. Et comme il attend le matin. Mais je comprends moi la motion là qui pour guinin. Je me demande l'autre femme là comment elle a dormi comme ça. Oui, mais tant écriture. Quand j'ai lu cette écriture, je me dis pour guinin yo maman ko ki kola. Elle boukata na boutou ta melissa moi là. Ne pas se réveiller même la nuit pour allaiter l'enfant. Ala li boutou mon batina tongo. Donc jusqu'au matin. Et comme il attend le matin, Abobi, elle dit elle regarde. Maman Koufi. Cet enfant est mort. Ce n'est pas mon enfant. Pour maman et Bakabana. Parce que la maman doit connaître ses enfants. Amen. Obi, t'as même tout le monde à Kabana. Regardez même les poules. Ce qui sont à Tali qui est bano baso ya. Quand la regarde que ce ne sont pas ses poussins, il va les chasser. C'est naturel. Ça, il ne vient pas de moi. Attends, dis-moi, ça, c'est pas mon enfant. Là, qui ça, mon enfant? Montre l'autre enfant là. Mais moi, non, t'es moi, là, ça, c'est mon enfant. Mais moi, là, confie, moi, là, non, confie. Mais c'est ton enfant qui est mort. Moi, là, confie, moi, là, c'est le mien. Laisse mon enfant. Oui, quand il dit, maman, bazarak. Vous savez, les mamans. Tico Benda, non, Benda, nous, Benda, chicane, comme disent les Québécois. Donc il n'est pas mon cause. Allons voir le roi. Bah comme il dit bonsoir mon cause. Ils arrivèrent devant le roi. Bah lui. Oh maman, gana bota ki liboso. L'une a dit, moi j'ai accouché en premier. Yes, ma mikolomisa toye pa ekobote. Après 3 jours, elle aussi l'a accouché. Tamwala ya boti. Après son accouchement. Nabutu. La nuit. Si quoi, gana so comprendre. Nani d'abord expliquer que mon quoi l'a les moine. Qui lui a dit que l'autre s'était couché sur son enfant? Est-ce que vous me suivez? Qui a dit à la maman qui était, dont l'enfant était encore vivant, que celle-là s'est couchée sur son enfant? C'est qu'ils ont eu une révélation. C'est qu'il a reçu une révélation. Il s'est couché sur son enfant. Moi, je suis mort. Et son enfant est mort. Il prit mon enfant. Il me donna les siens. C'est mon enfant. C'est ce qui m'étonne. Nous sommes en train d'expliquer le chiffre 3. Et puis nous avons parlé sur un bon mot. Et nous parlons sur la vie. Parce que l'écriture dans Jean 1 est là. Quand Jean chapitre 1 dit. Jean 1, verset 3. Jean, celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. C'est-à-dire celui qui a le fils. C'est-à-dire celui qui a le fils qui est en vie. Donc, celui qui n'a pas le fils, il a un cadavre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, il est malin. On va aller doucement. Le roi dit, qu'est-ce que faire? Apportez-moi l'épée. Je vais diviser cet enfant en deux. Quand tu prendras une portion, elle aussi prendra une portion.
C'était compliqué. Oh maman, Moussouana. L'autre maman. Ayo qui passe à mon chopas. Elle a senti les douleurs de l'enfantement. Ayo qui passe. Elle a senti les douleurs. Abi mon condition qui m'ombo. Il est voici, c'est ainsi. Tiquela et moi, Nawana. Laisse l'enfant. Ah, c'est la caca la bombe. Que l'enfant vive. Amen. Que je puisse ne fût-ce que le voir. On se bien, pas bon maé. Non, non, coupez-les en deux. Pas bon maé. Coupez-les. Y'a son dame, n'a pas de son dame. Prenez une portion, moi, oui, moi, c'est là, c'est qui m'aille. Vous savez, cette femme était sage. On a demandé comment il va se dire son nom, n'a son dame. Celle qui disait que prenez une portion. Ah, ça là, il colle comme un mot très, très profond. Elle disait des choses. Ah, tu m'as demandé de comprendre. Les gens ne comprenaient pas. Prenez une portion, papa, mon maille. Pourquoi elle disait qu'on tue cet enfant? Attends, comment on doit qu'il y a un même si on est sorcier. Qui n'a pas laissé comme un cata. Je pense qu'on pourrait demander qu'on puisse diviser la femme. Tu es là. Et c'est là qu'il a dit l'amour. Ça avait un but. Mais l'isolo n'a pas eu un. C'est ça notre causerie. Ah, on a dit qu'il y a un peu de temps. Ma commis. Est-ce que là, j'ai répété d'abord l'écriture. J'ai répété d'abord comment l'écriture le dit. Si qu'on te compte, si qu'on te limbo la ronde. Qui est maintenant? Allons l'interpréter petit à petit. Tu as dit qu'il y a un peu de temps. Nous avions dit quoi les images passées? Parce que tout ça là qui. Nous avions comparé cette histoire avec les sacrifices d'Isaac. Pourquoi avons-nous parlé du sacrifice d'Isaac? Parce que nous parlons du chiffre 3 et de la vie. Nous parlons de la mort et nous parlons de la vie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je vais aller plus souvent pour que tu me saisisses. Abraham prit son fils. Avec ses serviteurs. Allons offrir à l'Éternel. C'est dans le livre de Genèse. Ils ont marché, ils ont marché. La Bible dit après 3 jours de marche. Abraham leva les regards et regarda au loin. Amoni Ngomba, il vit la montagne. La montagne de Morija. Là où il devait sacrifier. Suivez-moi bien. Amen. L'autre enfant était né 3 jours après. Abraham a fait 3 jours, il voit le lieu du sacrifice. Je veux dire quoi? Je suis en train d'expliquer les sacrifices qui se passent ici. Quand Abraham a vu le lieu du sacrifice, il dit à ses serviteurs, restez ici. Parce que ce que je vais faire là-bas, ne vous concerne pas. Ça, c'est moi et le fils. C'est-à-dire quoi? En ce qui concerne la croix, ce n'est pas un problème de prédicateur. C'est un problème de Dieu et son fils Jésus. C'est son fils. Comprends pourquoi nous disons son fils Jésus. Quand ils sont arrivés au lieu de sacrifice, il arrangea l'autel. Nous allons très vite. Il est mis sur l'autel. Il fit sortir le couteau. Quand il fit sortir le couteau, pendant qu'il voulait égorger, Abraham, stop. Abraham arrête. Tika. Abraham, laisse. Je vis maintenant. Zoua, nini taba, et ça n'a pas de prends un bélier qui est attaché aux cornes. Zouaye, bomaye. Prends-le et sacrifie-le. Nous voulons dire quoi? Nous voulons dire ceci. Ce qui m'opange et tombe, quand on lève l'épée, et qu'on quitte l'épée ne peut pas rentrer dans son fourreau sans avoir accompli ce qu'il était sorti pour. Quand l'épée est levée,
L'épée doit voir le sang. Ainsi, il rentrera dans son four. C'est pourquoi tu comprendras. Quand on a porté Jésus sur la croix, on l'a porté sur la croix, on l'a crucifié. Ces soldats ont regardé. Vous ne pouvez pas laisser ces garçons comme ça. On doit l'égorger. Parce que c'est l'agneau. Jean-Baptiste a fondé qui est. Jean-Baptiste avait dit. Jean-Baptiste a baguette. Oh, on a baguette. C'est l'agneau de Dieu. A colombo la lissoum. Qui ôte les péchés du monde. Et c'est que les démons qui bon mot. Vous ne pouvez pas les laisser comme ça. Soldat on a. Ces soldats vont arriver. A tomboli. Il prend, il perça Jésus. C'est-à-dire, il avait levé l'épée. Il a coupé l'agneau. Je rentre pour dire quoi? Quand on met Isaac sur l'autel, en réalité, Isaac était en train de mourir. Regardez. Isaac était en train de mourir. Voilà la différence entre Jésus. Je vais dire la différence entre Jésus et Christ. Et Christ. Jésus est Christ l'origine. Jésus est Christ. Quand Jésus a dit Eli Eli la masabakata. Quand Jésus avait dit Eli Eli la masabatani. Papa papa pour nani no tikinga. Mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné? Pour être les autres on est Seigneur qui est couf. Parce que c'est ce corps là qui devait mourir. Mais mon livre est dans la carte. Mais l'esprit qui est à l'intérieur. Il ne peut pas mourir. Osolanda. Regardez. Mon livre est dans la carte. Il y a un couf à l'intérieur. Dieu m'a commandé. C'est pourquoi? Et Seigneur qui? Le corps devait mourir pour que l'esprit puisse porter un nouveau corps. C'est ce que nous voulions expliquer dans ces deux enfants. Ces deux enfants sont comment? Cet enfant, quand il est né, après trois jours, l'autre aussi est né. Ces deux enfants ne pouvaient pas habiter ensemble. L'un devait mourir pour que l'autre reste en vie. Amen. Pourquoi nous disons que l'un devait mourir? Jésus dit ceci. Il dit détruisez-moi ce temple. Après trois jours, je les rebâtirai. Oh, le temple, oh, c'est un temple. Il nous a pris plusieurs années. Tu nous dis que tu ne répètes pas. La Bible interprète. La Bible dit il parlait de son propre corps. C'est-à-dire son corps là, il devait mourir. Et vous rebâtir en trois jours. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tokoki koleka. Nous pouvons passer. Tokoki koleka. Nous pouvons passer. Pour nous avons toleka. Il faut comprendre. Il faut que tu me saisisses bien. C'est pourquoi j'ai parlé de ces deux mamans. Ba mama oyo tangwana Salomon zo tongola mopanda. Ces deux mamans quand Salomon lève l'épée, azolo ba ete. Il dit cet enfant. On doit le couper en deux. J'ai des formes que cet enfant était coupé en deux. Pourquoi nous disons cela? Pour notre salut, Jésus devait mourir. Jésus meurt pour nous. Israël. Et pour Israël. Amen. Est-ce que vous suivez? C'est même cet enfant-là. Si quand cet enfant dit, quand cette maman dit, on va les diviser en deux. Cette maman avait raison. Amen. Amen. On va diviser cet enfant. On ne peut pas laisser cette poussière. Il partit. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Parce que
Ce qui maman a vu, moi n'a n'y a pas. Parce que si cette maman prend tout l'enfant, yo, tu n'auras plus la vie. Amen. De maman la mou. Mon conzi. Roi. Kabola. Ibiz. Kati kati. En deux. Pour mon conzi, pour ton kabola kati kati. On va les diviser en deux. Maman la saki maman a saki la moyabi. Cette maman avait la connaissance. Alors vite, kabola, kabola. Ibiz le. C'est content, c'est comme maman Moussous. Regardez l'autre maman. Eh, t'es un tigre à la cassier. Non. Laisse-le. Tikelae. Laisse-le. Yes, alors kakalae. Qu'elle soit d'abord de notre côté. Namona kakakae. Que je puisse ne plus qu'elle voit. L'obi koto sa dambo le lo. Le sali que nous avons aujourd'hui. Israël va son mona kakabo. Israël ne le voit que de loin. Amen. 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 Israël. Israël. Basa la kacha kitiba. Ils sont là. T'es un tigre à la cassier. Laissez-le. Tamona mona kakakae. Je puisse qu'elle voit comme ça. Eh, omona kakakae. Que tu m'as dit bon moi. Tu vas manquer la vie. Vous comprenez que tant dans le bas moi dans le bas du banza. Quand je parle du Fils, je parle de la parole de Dieu. De Yesu. C'est le Seigneur Jésus Christ. Bible la Bible dit ceci. Aya qui parle bah oui. Il est venu chez les siens. Bah oui, aye bah boit. Les siens l'ont rejeté. Tant dans le bas. Bon tiki. Là il dit non, laissez l'enfant chez cette maman là. Ah où ça l'a dit? Qu'est-ce qu'il fait? Maman mon bimbi. Une maman. Oh le bas dit que non. Tiki là. A quelle adoption? Namona kaka kaye. Que je puisse ne fût-ce qu'elle soit. En d'autres termes, maman a moussou zon profité na bon moyen. Notre maman va profiter de la vie. Mais yo zan na bon moyen. Mais toi tu vas manquer la vie. Nina zon n'a pas le bali bien aimé. Pour dire ceci. Israël est pour le moment. Israël pendant que nous parlons. Bah on t'a la cabine. Bah non. Et regarde. C'est Jésus. C'est Dieu là. Mais. Yes yo. C'est Jésus là. Mais moi la Marie. C'est l'enfant de Marie. J'ai mangé chez eux. Nassimba et je l'ai touché, je l'ai senti. La femme qui avait la paix disait quoi? J'ai touché son ami, j'ai eu le miracle. On se comprend. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous sommes en train de parler de cet enfant. Cet enfant-là, c'est la parole. Hein? Mm-hmm. Baba kale kulusu. Maman disait sacrifiez-les. Baba kale kulusu. Crucifiez-les. Baba kale kulusu. Qu'est-ce qu'il est kulusu? Il s'en va sur la croix. De bombonde likambongo ezalaki. C'est ce qui se passe là. Moi na wana zalaki n'importe quel mwana. Ce n'était pas n'importe quel enfant. Azalaki mwana mokwa azana mabomba mina kati na ye. Un enfant mystère. J'aime la maman qui est allée prendre l'enfant. Je l'aime, cette maman. Parce que cette maman savait. Ce n'est pas pour rien. Bon, ce qui si c'est ainsi, donnez-moi l'épée, on va le diviser en deux. Couple en deux. Je prends une portion, elle aussi une portion. C'était aussi un mystère. Pour nous dire que cet enfant sera divisé en deux mamans. Pour tout évoluer. Pour que nous évoluions. Je vais vous donner une culture où deux mamans se sont partagées un enfant. Pourquoi il y a répétition de cette chose? C'est qu'il y a une raison. Tu m'as trouvé l'écriture. Quand j'ai lu cette écriture, Alléluia. Dis Alléluia. Dieu m'a donné une nouvelle chose. J'en parlerai aux enfants de Dieu. Ils ne seront plus trompés. Nous lisons. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait.
La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié, elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Verset 10. Quand Élie grandit, elle amena la fille de Pharaon. Elle fit pour elle comme un fils et lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Continue. Verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda des côtés et d'autres et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Amen. Vous voyez, la Bible se répète. Maman Moko. Une maman. Dans la tribu de Lévi. Avec son mari. Ils ont donné naissance à un enfant. Si ma kobota mwana. Après avoir donné ça à l'enfant. Lokola mobeko lobaki ete. Comme la loi disait. Mwana no sa mobali. Tout enfant mal. Esengeli kokate kingo. On devait le tuer. Pourquoi t'as mobeko lobaki? C'était ça la loi. Bango bazu ba bombi mwana. Ils ont pris l'enfant, ils l'ont caché. Tango ba bombi mwana. Après avoir caché l'enfant. So kande biso to yebi ete. Bon, nous savons. So ki obombi eloko. Quand tu caches quelque chose. Après 3 jours, et donc on est tu dois faire sortir la chose. Amen. Parce que cette chose ne pouvait pas rester 4 jours. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? C'est quand tu sèmes quelque chose. Après 3 jours, la germination doit commencer. Maman, t'as dit, ça fait 3 jours. Ton coquille sur tes cotiques. Nous ne pouvons plus garder ces deux. Mettons-le dehors. Maman Moïse a suivi moi. La maman de Moïse prit l'enfant. Il l'a mis dans un panier. Et il l'a mis sur le dos pour partir. Pendant que l'enfant s'en allait. Et sa soeur suivait par derrière. C'est mon frère qui s'en va. C'est mon frère. Et comme et si à un moment, la fille du pharaon, azo kitaya ko sukol. Venez pour se baigner. Aboni ekolo na kati na mayi ko te pate pa. Il verra le panier sur l'eau en train de naviguer. Alimo ke lebo sur la mer ekolo wana. Il dit allez me prendre ce panier. Loko la bino so ko yebi di solo. Comme na so ke ne mba mba. Je m'en vais très vite. Bazu ekolo. On amena le panier. Batali. On regarda. Mwana mobali. Un enfant mal. Oyebi. Mwana mwasi pharaon za mayele. La fille de Pharaon était très intelligente. Loko la kaka yo za wana. Comme tu es là. Oyeba ke te liloba oye uti pa ba Yuda. Tu sais que cette parole vient chez Alors vient te mwana oyo. Cet enfant. Aza mwana ya ba Hébreu. C'est l'enfant des Juifs. Amen. Na kozwa e. Mais je vais le prendre. A koma mwana na ngai. Il vient de mon enfant. Amen. Osola na nti makamongo za. Vous suivez? Na zo so mwana oyo. Prenez cet enfant. A koma mwana na ngai. Il viendra mon enfant. Siko no sala ndenge. Maintenant qu'est-ce que je veux faire? Je n'ai pas les seins pour l'allaiter. Et c'est quel était? Baluki langai. Qu'on me cherche. Maman ya ko kolisa mwana oyo. Une nourrice. Pa ke bazu obe maman ya mo kon est allé prendre la maman de cet enfant. Pour amener sa mwana. Pour allaiter. Yo kasi koli kamulete zani. Regardez maintenant.
Yo, toi, Mélisse obéit. Ton travail, c'est de nous dire. Fais-le grandir. T'as pas encore là. Quand il va grandir, moi, là, un gars. C'est mon enfant. On s'en va à mon regarde. Yo, botité. C'est pas. C'est toi qui l'as accouché. Quand il a botté. C'est moi qui ai accouché cet enfant. Oh, mais la maman, mais ça, moi, la paix, ça, yo. Il dit que je puisse l'arrêter et te le donner. Appelé maman Ango. Regardez cette. Ils ont bien que cela soit ainsi. N'a combien c'est, n'a combien ça. Je vais l'allaiter et puis je vais te la donner. Ah, bana, baso kabula bango na ba mama mi balé. On partage l'enfant. Baso mon maman. Oh maman, on a allé la kimona. Vous allez voir la maman qui s'est couchée sur son enfant. Non maman, mususu. Et l'autre maman. Ah, Azaki na mwana na bomo ba yibela ke mwana. À qui on a récupéré son enfant. Ne ba maman Ango pe ba balu baso. C'est sur ces deux mamans ici. Ok. On dit ok. Non, Mélissa. Je vais la nourrir. Tant que moi, la colle. Quand l'enfant a grandi. Moi, la pharaon. La fille de pharaon. A zui, moi, na wana. Il prit cet enfant. Le col à moi, non, ya yé. Comme son fils. N'a zou, moi, na boutou, wana, moi, na moi, si wana. A zoua, qui moi, na wana. Quand cette maman a pris cet enfant-là. A zoua, qui moi, na le col à moi, non, ya yé. Il a pris cet enfant comme son enfant. Alors, il dit non, c'est son enfant. Attends, il me soit mon cousin. Même devant le roi. Oh, papa, 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 le côté de son basso. Misso ma casse. Misso ma casse, cali, cali. Moi, non, y'a caille. C'est mon enfant. Hein? Ma pessie, moi. On lui donna l'enfant. Vous aimez bien, t'es bien aimé. Vous savez bien aimé. Sauf que moi, Naza, y'a yoté. Quand l'enfant ne t'appartient pas. Souka souka zong n'est pas dans la il finira par rentrer chez eux. Avant de la moine. Il est resté avec l'enfant. A connu la moine. L'enfant a grandi. Mais moi, la kuna ici qu'à Coco, l'enfant pendant qu'il grandissait, a été, il savait. Oh, ici qu'on est là où je suis, ce n'est pas chez moi. Et si quand la guerre est à Kuna, chez moi, c'est de l'autre côté. Pourtant, maman, comme Elisaël. Parce que quand maman allaitait l'enfant, il lui disait C'est ce que je te donne là. Ah, on a continué à mon sous. Ça, j'ai changé de bande de route. On a continué à mon sous. J'ai pris de l'autre côté. Yes, Jésus dit ceci. Natiki ba mona mokili. Je les ai laissés dans le monde. Mais basa boya mokili. Mais ils ne sont pas du monde. Na ko melisa. Je suis en train de te nourrir. Na so melisa. Je te nourris. Mais ozoya mokili o tu es pas de ce monde. Ozoya kuna ya likolo. De l'autre côté. Au moins ni la question pour venir au pesa moi na wana. C'est l'enseignement qu'on donne à Moïse. Ah. Et c'est quelle qui te moi na falo a melisa Moïse. La fille de Pharaon ne devait pas allaiter Moïse. Et coca qui consacre le matin, ça ne peut pas arriver. Ce qui est ça, le maca. Si cela arrivait, ah, wana tokani ba bible. Nous allons fermer nos bibles. Amen. 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 Est-ce que vous suivez? Ah, wasiko, yo loko la mona nzambe. Mais tu vois comme un enfant de Dieu. Nazo kitana lendi soko. Je vais descendre pour t'exhorter. Au moins il le bozo yo kawa. Tu vois la parole que tu écoutes ici. Tous hommes béni soient libérés. Nous sommes en train de te nourrir. Osa na kati en tant que pharaon. Tu es de la maison de Pharaon. Mais Osa ya faloté. Tu n'es pas de Pharaon. Osa na kati ya mokili. Tu es dans ce monde. Mais Osa ya mokilité. Tu n'es pas de ce monde. Kobi kate lo kola le bateau ndamo ya Pharaon. Ne vis pas comme les gens de la maison de Pharaon. Tozo la kisayo. Nous te disons. Lo yeba ndenge na kotambola. Sache comment te conduire. Kolanda te bango. Ne faut pas suivre les femmes. Soki bango basi na basi babala na ka. Si chez eux les femmes et les femmes se marient. Les bali na yele lo bala na ka. Les hommes se marient entre eux. Mais biso e pa na biso za la ko. Mais chez nous ce n'est pas comme ça. Ya moto ko melisayo. C'est pourquoi nous t'allaitons. Oyebaka. Que tu le saches. Boyene na mboka na biso ezalaka. C'est comme ça chez nous. Ndengo Yesu atangu a okenda zo. C'est pourquoi Jésus quand il partait disait. Na tiki bango na mokili. Je les ai laissés dans le monde certes. Mais pas abo ya mokili. Ils ne sont pas du monde. C'est que yo zala ko ya mokili. C'est-à-dire toi tu n'es pas de ce monde. Yo zala ko ya lolo. Tu es du ciel. Ali to mata lisusu. Maintenant essaie de monter. Na baluki. Je change encore. Maman, on a tant que moi, on a collé. Quand l'enfant a grandi, moi, on a collé. L'enfant a grandi, moi, on a tali. L'enfant regarda. Il dit, Je suis de l'autre côté. A qui a couti, ma déconne, mais ma bunda. Il trouva deux de ses frères en train de se battre. Il me souvient qu'on a qui mon égyptien. Il trouva un égyptien. Nan de commissus bakobo. Avec son frère en train de se battre. C'est lui qui frappe mon frère. T'es. Je peux pas laisser ça. Combien il tua l'Égyptien.
Bien, il est mis sous le sable. De connaître qui son frère Sana. Né à mon azongeli lilendi. Je rentre dans l'exhortation. Dans mon abandaki na bandaki na lilendi. Quand j'ai commencé par l'exhortation. Bandeko. Bien aimé. Au moins tous ali à. Vous savez comment on est là. Tous ali na bolingo. Ayons la charité et l'amour. Pourquoi tu prends nos choses, tu vas raconter aux païens? Pourquoi? Viens, on va parler. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça dans la famille. Je demande encore à maman. A-t-on déjà divisé les sangs? Oh, Makila, c'est ça Makila. Ça c'est le sang de. On se rend au Barabi. Tout ça qu'Aba n'a pas vraiment compris. Nous disons que nous sommes fils d'un même père et d'une même mère. Ce que mon imam a bimé n'a pas quoi que. Si tu vois un enfant sorti de la maison et parti. Azongite. Et qui n'est pas rentré. Il faut comprendre que vos années papa m'ont compris. Comprenez que vous n'avez pas les mêmes pères. Maman m'ont quoi papa l'abîme sur comment la tête papa l'abîme au Kuna. Non. Maman a dit que notre père, notre mère, c'est la parole. C'est là que nous sommes nés. Sous la croix, nous sommes nés de là. Nous ne pouvons pas nous séparer. Dans la famille, il y a des problèmes. Je te dis vrai. Dans la famille de Jacob. Il y avait les tiraillements. Il n'y a que toi, je, que tu crois que tu y es plus que tout le monde. Il n'y a que toi qui a des visions. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Papa n'a le père n'aime que toi. Il achète des tuniques multicolores. Nous achète dans toutes les familles, c'est comme ça. Si nous rentrons chez maman, il y a des enfants qui disent toi tu aimes ça. Si maman. C'est quoi ce qui est baligné ou en amusus? C'est un jour que il a grâce. Boni. Ce qui est un jour. Si la grâce. C'est là que baligné bolingo non pesawana. Attends ton amour aussi. J'ai donné l'exemple de la famille de Jacob. Si nous avons un problème entre nous, on se parle. On ne se parle pas comme les gens du monde. Nous avons notre constitution. Ce sont les écritures. Nous avons ce que tu dis. Est-ce que c'est conformément à. C'est conformément à. Ce qui est cocani, tu reviens de côté. Si, ça ne va pas te dire non. Alinéa 2 contredit ce que tu dis. Ça n'existe pas, alinéa 2. Bolandi. Est-ce que vous suivez? C'est comme ça. Ce qui n'a pas été à l'indiscipline. Si je prêche, j'exhorte aussi. Tozongi les sous moine. Rentrons chez l'enfant. Moi, n'a pas encore ma maman bibale. Un enfant, deux mamans. Parce que là c'est de Moïse. Pour aussi pour comprendre la voix. Est-ce que vous avez compris? Bisoa tobu, nana ogunde lande yo. Moi je combattrai pour toi. Nana qui est dans musique. Je vais aller loin. Kolobabi que non. Obi esi ko bolingone senge neza. Tu sais où se trouve ton amour? Ezane na kati ya Yesu. C'est dans le Seigneur. Amen. Bande kono mokili. Tes frères dans la chair. Ils peuvent te rejeter. Mais les frères dans le Seigneur. Ils peuvent pas te rejeter. Parce que Oya Mokili. Parce que c'est du monde. Et c'est terminé ici. Mais Oya Seko. Mais celui de l'éternité. Oya Yesu. C'est celui du Seigneur. Nous irons jusqu'au ciel. Il est dit c'est l'exhortation. Ma maman mi balé. C'est deux mamans. Maman wa moko alobi ete. Lui va dire. Gana koki sou enfant de sou na mwana ote. Je ne peux plus rester avec cet enfant. Tikana la langa pongi. Laissez-moi dormir. Maman Moïse wana. Ça c'est la main de Moïse. Pour ceux qui n'a fandi na mwana. Parce que je reste avec cet enfant. Mwana le kiki toko. Il est très beau. Bakobo melanga na ye. On va le tuer. Kende. Vata. Kende pa maman ya kunu. Va chez l'autre maman. Maman n'a pas l'autre maman aussi a pris l'enfant. A
Avant d'y venir à moi. Va rester avec l'enfant. Avant d'y venir à moi. Va rester avec bien-aimé. Je vais te dire bien-aimé. Tant que Moïse allait qui s'est dans quoi Pharaon. Le temps que Moïse passait dans la maison de Pharaon. Gongawane dans quoi Pharaon. Pambola maki. Pendant ce temps, la maison de Pharaon était bénie. Il est devenu un prince dans la maison de Pharaon. Té, nini, mon Pharaon. Oh, Pharaon. N'est-ce Moïse a saigné dans ta connaît. Amen. Le fait que Moïse était dans la maison de Pharaon. N'est-ce que Moïse a pas d'acquis. Le fait que Moïse habitait là-bas. Donc, mon cousin est Mathilde Soussou. La renommée de Pharaon a pris de l'allure. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Présence est moi, non? Parce que la présence du Fils donnait la vie. Et ont matissa. Ça fait élever. Et ont matissa. Ça fait élever. Quand vous vous êtes Pharaon. Et pourquoi Pharaon? A comment qui compare ta zone au baïte? Qui est comparable à moi? Gala l'équipe à mon nom. Je suis au-dessus de tout le monde. Pourquoi? Moïse, parce que Moïse était dans sa maison. Amen. Dans moi, Israël. Du côté d'Israël. Chico. Fimbo. Fimbo. Nase Amba Kolala Bongi. Amen. Israël bazaya Kolala. Israël dormait. Moïse a sakuna dans la Moïse est dans la maison de Pharaon. Bonjour dans le monde. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Israël bazaya Kolala. Israël dormait. Nase à Boumbu. Sous l'esclavagisme. Mais Moïse est dans la Pharaon. Mais Moïse est dans la maison de Pharaon. Quel pour la queue? C'est la joie. Quel pour la queue? C'est la joie. Loko la tongo et tanaka. Comme le matin finit toujours par arriver. Tant que le matin s'élève. Et Seigneur-moi na zonga. L'enfant doit retourner. Pour maman, on a peu pour aimer te voir la langaïté. Pour que l'enfant soit rassuré que celui-ci n'est pas mon enfant. Et Seigneur qui te tombe et tana. Le matin. Continue à parler. Pour moi, le Seigneur est à zone. Parce que l'enfant doit retourner. Alléluia. Je vais descendre dans ces choses. Mais on n'a pas assez de temps. Mais non, si ça galate. Je vais finir bientôt. Pour les camboya Moïse. Parce que c'est la vie de Moïse. J'ai beaucoup de choses à dire là-dedans. Seulement à cause de cet enfant de Moïse. Pour essayer tout le monde l'appel Moïse, origine de Moïse. Parce qu'on doit aussi parler de son origine. Pour la tina na combo wana. À cause de ce nom là. Essayer tout le monde là. On doit en parler. Mais on gisa mukie. On n'a pas de temps. Toki nembam. Allons vite. Témoigne Moïse au tombeau. Quand le soleil s'élève, Moïse est plus content pas na. Moïse de son côté. Il prend l'esprit de rébellion. Pour sortir dans la maison de Pharaon. Et là, Moïse est mis à Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait sortir? Parce que justice, bon c'est mot. Parce que la justice va être manifestée. Parce que dans la guerre, mon pain est un de mon sembo. Nous avons dit que l'épée, c'est la justice. Amen. Si côté moi, mon pain est autour de moi. Moïse ne doit plus rester. Quand il voit ce qui est injuste. Moïse n'a pas la tombe. La justice doit s'élever. Quand le soleil s'élève, il y a deux personnes en train de se battre. Toi, tu n'es pas mon frère. Il tue cet homme. Il laisse son frère. A qui est-ce qu'il y a un il va après. A qui a coutume à découvrir le soir. Deux frères entre les frères. Comme nous ici. Pour coutume à découvrir le soir. Vous vous trouvez avec les frères Azaf en train de se chicaner. On te dit que nous sommes sous bataille. Vous, prédicateur. Les Camerounais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me passe difficile. Que Dieu pardonne. Ça me passe difficile. Que Dieu vienne en aide. Pour. Vous savez, la vie, le monde n'aime pas la vérité. Le monde n'aime pas la vérité.
la justice. Ce qui n'a pas dit bande commis balé baso soit. Je vois deux personnes en train de se guérir. Et puis mon petit calibre, mais son aïe, tiye, tiye mon colasson, jusqu'à la fin du temps. Mon colasson, son continue film. Tu vas aller en enfer. Mon colasson est sous. Lifez-le. Tu vas aller en enfer. Donc, il y a un peu de temps, il y a ton coup de ce point. De quoi, bon, t'as maquillé? Parce que ce frère est né. Ah, coupé. Il est mort. Bon, on est égal à Kuna. Ce qui va arriver en fait. Toi, tu connais. Mais, ils sont donc oubliés à chips. Nous allons manger les chips. Donc, on y a mis pendant la sauce. Nous mangerons des cuisses de poulet. Et puis, ton pensant, il y a des trucs qui vont. Non, et puis, c'est fini là. Bon, mon désir. C'est comme ça. Pour n'a qu'à moi, il y a un moment comme moi. Histoire. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du temps, tu dois être incrédule comme les élèves. On a besoin d'un Saint-Esprit. Toi, tu as vraiment le Saint-Esprit? Si tu as le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Non. Ne va pas jusqu'à ce point. Si quand tu as quelqu'un d'incrédule, Et c'est un peu de malin. Il faut l'examiner. Non, il y a qui mon sang ici. Tu as établi juge. Pour que tu peux te relever la paix en haut. Nous en parlerons. Non, il y a qui mon sang ici. Tu as établi juge au milieu de nous. Non, il y a qui t'a établi. Qui t'a établi. Pour ceux qui m'ont établi. Parce que si on ne t'a pas établi, ne viens pas prêcher. Ce qui m'a si on t'a établi, y a côté. Viens prêcher. Ce qui m'a si on t'a pas établi, va pas très vite. Vous me suivez? Parce que cette parole de Dieu, si Dieu ne t'établit pas, amen. Quand que peux avoir ta connaissance. Hein? Amen. Et ça, c'est que ceux qui ont ça n'a bouillé, ils n'ont pas dit parce que tu as la conscience que tu es prédicateur. Non, hein. Pour la Bible, le Bible dit ceci. Nathan, on a souka, bouillé bien combattant. La connaissance augmentera. Bouillé bien combattant, pas. Ça augmentera où? Et pas bâté. Chez les prédicateurs. Est-ce que pour moi, la Bible le dit? C'est ce que la Bible dit. Bouillé bien combattant, pas banane. Ça augmentera où? N'a qu'à tia banane. Parmi le peuple. Au Zolanda. Est-ce que vous suivez? C'est comme ceux qui m'a dit. Si on ne t'a pas établi, on va la paix juger double fois. Tu seras jugé doublement. On a un double honneur. Tu as un double honneur. On a un double jugement. Tu as aussi un double jugement. Amen. C'est comme ça. Je rentre dans l'exhortation. La parole de Dieu est une paix. Et quand tu as un coton, tu as un coton. Tu as un coton. Tu as un coton. Tu as un coton. Tu as un tranchant. Amen. Je rentre dans l'exhortation. Vous dites ceci. C'est ce que j'ai dit ici. Vous est-ce que vous me suivez? Si quand le soleil s'est levé, Nani, Moïse Atali. Moïse regarda. Ah, Pharaon a compris déjà qui est Gana, moi n'en ai qu'on a été. Je ne suis pas fils de la maison. Vous comprenez? Vous voyez? Vous voyez? Et c'est que Moïse est comme abîme. Moïse doit sortir. Kim qui puisse fuir. Au moins, il y a un bon tosio. La parole que nous avons ici. Israël, Bangomoko. Israël eux-mêmes. Ndeba Bengana. Ils ont chassé cette parole. Au Zolanda. Regarde. Bangoumaïté. Ils ont dit. Toti kaeto mona kaka kaeto. Ils sont là chez l'autre, maman, on va se mal les voir. Kokabola ete. Ne les divise pas. Si kaena bomo. Laisse-les en vie. Na kaka kaeto. Que je puisse les voir. Mona c'est mon enfant. Là, tu viens de marquer la vie. Amen. Nous voulons dire ceci. Celui qui a le fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le fils, il n'a pas la vie. Si comme Moïse est pendant que Moïse vit dans la maison de Pharaon, un jour Moïse quittera cette maison. Il va rentrer chez ses frères. Il dit, c'est moi votre frère. Vous me suivez? C'est la parole que nous prêchons aujourd'hui. Un jour, ça n'existera plus chez nous. Un jour, ça n'existera plus.
profitez n'angolo. Pendant sous la grâce, profitez. Profitez. Sombe la tango. Rachetez le temps. Sombe la tango. Rachetez le temps. Parce que la parole est encore chez toi. Tu es dans la joie. Vous savez. La Bible dit ceci. Le temps de la grâce. Ce n'est pas un temps de distraction. Amen. Parce que la grâce vient pour un peu de temps. Je t'ai dit bien aimé. En cette même nuit, on a récupéré l'enfant. Le matin, l'enfant est retourné. Pour dire ceci, la parole que nous avons là, c'est pour un peu de temps. Moïse pour habiter dans le pharaon. Moïse pour habiter dans le pharaon. Pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Je dois sortir. Moi, c'est Mikolo Asala n'a quoi Pharaon. Le temps que Moïse a passé chez Pharaon. Na Mikolo Asala n'a pas Israël. Le temps qu'il a fait en Israël. Y a Israël et le temps qu'il a passé en Israël, c'était beaucoup. Est-ce que vous me suivez? Le temps qu'il a passé dans la maison de Pharaon. Et la maison qu'il a passé hors de Pharaon. Il y a Moïse. Je donnerai l'âge de Moïse. Le dimanche qui vient. Et tu verras. Quel est le temps que nous vivons? Pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Rachète le temps. Nous vivons avec Moïse aujourd'hui. Nous disons. Je me vante d'avoir un père. J'ai la parole. Tu te vantes de cela. Mais marche selon la parole. Ce n'est pas que je suis chrétien. Moi je suis chrétien. Dieu m'a fait des grandes choses. J'ai vu dans une vision. Jésus, le Seigneur Jésus, n'a pas et avec sa robe blanche, Azon Gengé, il est en train de m'éclairer. Yo, toi, mon enfant, tu as vu dans la suite. Je ne suis pas contre cela. Maintenant, marche. Maintenant, la question, c'est de voir comment tu marches. Amen. Je vais finir par un exemple. Boyebi, vous savez, Batou. Les hommes sont venus travailler. Ceux qui sont venus le matin. Ils ont travaillé. Ils sont venus après. Ils ont travaillé. Mais ils ont juste. Ceux qui ont travaillé depuis le matin. Mais nous avons commencé depuis le matin. Quand tu commences le matin que tu es fatigué, et que tu laisses, tu abandonnes le travail, on ne te paye pas. Bible dit ceci. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront récompensés. Ne te fatigue pas. Nous sommes en train de partir. Si l'air est tombé, Tombolaï, l'indisaï, ce que mon île de Kwazoyate, si tu vois ton frère, Yakato Kende, Yakato Kende, Yes, Wazoya Kalate, Jésus, Olembate, Kotika la Bouté, Tolendi Sanaka, qu'on s'exhorte. Amen. Wanande Molingo. C'est ça l'amour. Tina Bandai Kolobila, le collab à maman Mibali. Pourquoi j'ai parlé de ces deux femmes? Moïse, Moïse, dès que tu le vois, et l'autre babi que nous n'azuya comme moi, tu dis que tu es ton enfant, mais à moi noté, ma réalité, ce n'est pas ton enfant. Amen. À la maman, et là, sa maman, mon colombo, quoi, aux ongles, un jour il retournera. C'est comme mon colombo aux ongles, le jour il retournera. On dit qu'à la ni, tu resteras avec quoi? Okozala wapi, na wabata lokola ndeko moko ayemba kana se pokwa. Okozala wapi, tu seras où? Mokolo na ngonge kobeta. Quand la trompette sonnera.
Terminons. Terminons par une petite chose. Vous savez l'histoire de parler en langue. Parler en langue. Je voulais vous démontrer ça aujourd'hui. Ne pense pas que le parler en langue. Ça vient. Non. Parler en langue. Parler en langue. Et